tous, c'est Snakey et bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo. J'avais commencé l'année dernière, décarrément embarqué, que ça s'est arrêté à cause du Covid. Mais cette fois-ci, on repart sur une saison. Pour ce retour au stade, j'ai décidé de frapper fort. Je vous amène avec moi, me suivre dans le stade, dans les déplacements, tout au long de la saison des Girondins. Ça commence aujourd'hui avec Bordeaux qui reçoit Clermont Foot. Et les supporters ultramarines du Virage sont juste ici, ils vont accueillir le bus des joueurs. On va les suivre, vous êtes avec moi en caméra embarquée. Et pour ceux qui veulent voir directement le débrief de Bordeaux-Clermont sans voir ce vlog, eh bien vous accédez en dessous de la vidéo, il y a un chapitrage et vous accédez directement au débrief. Tous les débriefs à domicile seront greffés dans cette vidéo Inside des Girondins. C'est bon, il y a de l'ambiance, ça y est, ça commence à monter là, il est là le bus. On va accueillir le bus, ça s'est très bien passé, une très très belle ambiance. Ça monte petit à petit derrière moi à l'entrée du stade Porte E. Je suis Virage Sud comme d'habitude, évidemment, comme depuis ma naissance, hein, que ce soit à Lescure, à Chaban, à René Galis, c'est partout pareil, évidemment, Virage Sud à 100%. Et du coup, là, on va aller passer la sécurité. Il faut présenter un pass sanitaire, évidemment, donc test PCR antigénique négatif de moins de 48 heures ou la vaccination avec tes deux doses. Voilà, il n'y a que comme ça que tu peux entrer dans le stade. Moi, je me suis fait charcuter le nez, mais voilà, pour voir Bordeaux-Clermont, je suis prêt à me faire charcuter tout ce que tu veux, même l'anus. Ça y est, c'est un truc de fou, je suis rentré dans le stade. C'est... je sais pas quoi vous dire, je suis l'homme le plus heureux du monde. T'en as, ils sont heureux parce qu'ils recrutent Léo Messi, mais nous, on s'en fout de Léo Messi, tu vois. Nous, moi, je vais voir Bordeaux-Clermont, je vais voir mes chers faire la passe en retrait à Costille. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Là, derrière moi, à l'entrée de la porte E, quand vous arrivez dans la coursive du stade, vous avez la table des ultramarines. Si vous voulez les soutenir, n'hésitez pas à adhérer à leur groupe. Ça participera à tous les coups, comme par exemple les tifos, l'ambiance. Ils le méritent, ils se sont battus comme tous les supporters, comme beaucoup de supporters, pour le retour du vrai Girondin de Bordeaux. J'ai plein de petits messages à vous faire passer encore. Tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes, vraiment toutes les personnes qui, directement ou indirectement, ont participé à la lutte contre ces escrocs qui ont pris en otage notre club. Aujourd'hui, notre club, c'est un champ de ruines. Et on va s'en ressortir grandi grâce à nous tous. Ça devait arriver, voilà, ouverture du score de Clermont à la 82e minute et c'est malheureusement mérité. Bon ben voilà, défaite 2-0, très triste, très peiné. Je vais passer tout de suite au débrief. Voilà, on sait que ça va être long à construire un club de foot. On part de rien,
L'entraîneur vient d'arriver, il va falloir être indulgent, il va falloir être patient et attendre les recrues et que Monsieur Petkovic mette la main sur cette équipe. Et il y a du boulot. Il y a Hervé Matou qui discute avec des Clermontois. Je ne sais pas si on peut s'approcher de lui. Est-ce qu'on peut tenter une petite approche? Bon, ben là, je suis avec une tête que vous connaissez sûrement, Monsieur Hervé Matou. Un plaisir. Un petit mot sur ce match. Est-ce que vous vous êtes régalé mieux que nous? Bah oui, moi je suis Clermontois, donc j'avais fait le crochet vers Bordeaux pour voir ce match historique parce que c'était le premier en Ligue 1 de Clermont Foot. C'est ça. Et bon, c'est sûr, je comprends que si on est supporter girondin, on se soit pas régalé parce qu'ils n'ont pas proposé grand chose. Mais l'équipe va évoluer, ce ne sera pas la même dans 3 semaines. C'est ça, c'est ça. L'équipe va évoluer. J'ai envie de vous dire, revenez pas, mais bon, je vous aime bien, donc revenez quand même. Pas avant l'année prochaine. Si on revient l'année prochaine, c'est ça. C'est bon signe. On gagne les autres matchs et vous revenez. Vous êtes aussi fort maintenant au rugby qu'au foot. Voilà, c'est ce qu'il faut noter. Comme Bordeaux. Exactement. Mais nous, on est même plus fort au rugby maintenant qu'au foot. Pas ça. Allez, merci. Alors là, je suis avec des supporters. Évidemment déçu parce que c'est des supporters bordelais cette fois-ci, hein, c'est pas des Hervé Matou, c'est des... comment t'appelles? Moi je m'appelle Jules. Jules et... Et Mathis. Mathis, bon les gars, alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon, honnêtement on sait pas trop, on s'est fait bouffer techniquement, offensivement. Ça manquait d'attaque hein, quand même. Ouais, on était absents. Ça manquait d'attaque. Il va y avoir une habitude à prendre avec le nouveau coach, le nouveau centre, les nouveaux dirigeants. L'effet Petkovic, il a pas encore... Il vient d'arriver. Donc, effectif qu'il a, brillant devant, bon, malheureusement là, qui se fait un... Il a eu un peu de mal sur le match. Bon, on peut pas lui en vouloir, mais bon. En tout cas, au moins il y a un truc qu'on a réussi, c'est l'ambiance. Il y a une Franchement, c'était énorme. Le retour des supporters. C'était sur quelle tribune? Nous, on avait la chance d'être en loge. En loge. Ah, oh, pardon, excusez-moi. Est-ce que vous avez parlé à Gérard Lopez? Vous l'avez croisé? Je l'ai croisé. Enfin, j'ai pas pu lui parler. Moi, j'ai envie de vous. Il fallait lui demander. Est-ce que vous avez séquestré Bayo? Parce que Bayo, faut pas qu'il reparte. On est d'accord. Bayo, si tu m'entends, viens. Viens. Reste avec nous, s'il te plaît. Reste avec nous, les gars. Bon retour. Bon retour. Merci. Et puis. À la prochaine dans le stade. Allez Bordeaux. On est où? On est là. Et juste avant de passer au débrief du match, sachez que OneFootball soutient la chaîne YouTube. C'est une application dispo sur Android et iOS. C'est gratuit. Ça vous permet de suivre tous les résultats des matchs de foot dans le monde entier, mais surtout l'actualité de votre club de cœur et notamment le mercato. C'est le moment, du coup, de la télécharger et de lâcher votre plus beau pouce bleu pour ce premier épisode. Tout de suite, le débrief de Bordeaux Clermont. Nouvelle saison, nouveau président, nouvelle caméra, nouvelle voiture. Mais même résultat, voilà, ça bouge pas. Bienvenue à tous dans ce débrief du coup de Bordeaux-Clermont. Vous l'avez vu, vous l'avez vécu avec moi. Bordeaux a perdu 2-0 contre Clermont. Alors déjà, première chose à dire aux joueurs girondins, au staff s'il vous plaît, au statier dans le stade, ne laissez pas partir Bayo, enfermez-le dans les chiottes et jetez la clé dans la Garonne. Ce mec nous a démolis. L'entraîneur vient d'arriver, Lopez vient d'arriver. Évidemment que ça prendra du temps, évidemment que la reconstruction ne se passera pas en quelques secondes, en quelques matchs. Ça prendra beaucoup de temps. Mais ce qu'on demande dans ce genre de match, c'est pas forcément d'avoir des automatismes, d'avoir du talent. C'est d'avoir de la grinta. Et ce soir, la grinta, tu ne l'avais pas. Tu ne l'avais pas, je suis désolé. Une seule bonne occasion en 90 minutes. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? On sait que les promus sont excités. On sait que quand t'es promu, on l'a vu avec Brest, on l'a vu avec Nîmes. On sait que quand t'es promu... tu es sur un nuage, voilà. Les Clermontois, il fallait pas les laisser sur leur nuage. Le problème de ces équipes qui sont promues, c'est qu'elles sont dans une euphorie. Et cette euphorie, il faut la casser. Si tu la subis, tu perds le match. Comme ce qui s'est passé ce soir. Voilà. On s'est retrouvé avec l'équipe des Girondins l'année dernière. Les recrues n'ont pas pu jouer. Ricardo Mangache. Avec l'accent portugache. Tu vois, j'espère que je le fais bien, les Portugais, désolé, me tapez pas si c'est pas le cas. Il n'était pas là, il n'était pas qualifié malheureusement. C'est dommage, il nous a beaucoup manqué, je pense, parce que Benito, quand est-ce que tu prends l'avion, Basic? Quand est-ce qu'il prend l'avion? On l'a annoncé à la Lazio, ça fait 8 mois qu'il était à la Lazio. Mais je pense que son esprit lié, qu'il y a que son corps qui est là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le mec, je sais pas, tu vas peut-être partir de Bordeaux, mais joue bien! Putain, mais joue bien! On dirait que le mec, il fait exprès de jouer mal pour rester ici. Mais c'est terrible! Il a qu'un seul œil. Il joue avec un œil. Il y a un œil derrière la tête et un œil pour faire les passes en retrait. Voilà, comme Benito, et un œil devant. Mais un œil, ça suffit pas. Il faut les deux yeux. Jimmy Briand, on lui donne des longs ballons. T'as cru que c'était Mbappé? C'est Jimmy Briand. Il a 53 ans. D'accord? Briand, en fait, il faut qu'il soit devant le gardien à 2 mètres. Voilà. Et là, ça va. Là, au niveau de finition, ça va. C'est pas comme Kalou. Kalou, la finition, Kalou, on sait qu'il lui faut 35 occasions pour marquer un but. Le petit jeune, là, en attaque. Enfin, le petit jeune, il fait 4 fois ma taille. Mais bon. Medioub, là, pareil. J'aime bien. Et je dis pas ça parce qu'il ressemble à Choupo-Moting. Non. Bravo au Virachu, encore une fois. Bravo aux Ultramarines. Bravo à vous, les supporters. Vous avez été exceptionnels, encore une fois. Exceptionnels. J'étais très touché. J'ai l'impression que c'était... En fait, on s'est jamais quitté.
voyez, ça m'a fait plaisir de revoir tout le monde. Et voilà, ça, c'est le point positif de cette rencontre. Voilà, le score, malheureusement, bon, ben voilà, les joueurs ont gâché la fête. Mais enfin, on n'est pas dernier. Grâce à l'alphabet, on n'est pas dernier. Voilà, on est 19e. Merci la lettre B comme Babar. Mais en tout cas, c'était une très, 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 très belle ambiance. Et ça m'a fait beaucoup plaisir de voir autant de supporters heureux de se retrouver. C'était le plus important. Dimanche prochain, il y a Marseille-Bordeaux et ce sera en live. On revient, les lives reviennent dans un nouveau décor. Ce sera la semaine prochaine, les amis. Et je vous embrasse très, très fort. Allez Bordeaux, mangez des chocolatines, on est où ? On est là et déconnez pas les gars.